Alors, voici une deuxième capsule sur des outils numériques qu'on peut utiliser dans une pratique pédagogique inclusive, que ce soit en classe ou à distance. Après donc une première capsule sur des outils qu'on peut utiliser pour présenter des contenus, celle-ci va être beaucoup plus brève, mais va parler d'outils qu'on peut utiliser pour faire des questionnaires ou des sondages auprès de nos étudiants. Dans la capsule précédente, j'ai parlé de H5P, qui est un coup de cœur personnel, puis qui est aussi un logiciel libre en plus. Donc, c'est un outil qui permet soit d'insérer des questions dans des vidéos qu'on a créées nous-mêmes ou qu'on a trouvées ailleurs, mais on peut aussi s'en servir pour créer des activités interactives de vraiment plusieurs types, que ce soit des jeux, des quiz, il y a énormément de choix. Pour utiliser H5P, idéalement, il faut aussi utiliser soit Moodle, soit avoir un site WordPress. Vous pouvez héberger sans frais un site WordPress sur un espace web offert gratuitement par Profweb aux enseignants du collégial. Mais il y a plusieurs autres options qu'H5P pour poser des questions aux étudiants, de façon synchrone ou asynchrone. Quand on leur pose des questions de façon formative, ça les fait réfléchir, puis ça les amène à s'engager dans leur apprentissage. Les quiz ludiques sont moins stressants généralement pour les étudiants que les tests formatifs plus officiels qui sont sur papier, puis ils vont amener plus d'engagement aussi généralement que les questions qu'on fait simplement poser à la volée là, aux volontaires pendant un exposé magistral. Parce que les outils numériques permettent souvent aussi des réponses anonymes ou à tout le moins faire en sorte que les réponses ne sont pas nécessairement vues par tous les étudiants de la classe, ces outils-là encouragent l'engagement des étudiants les plus timides, ce qui s'inscrit dans une pédagogie inclusive justement pour essayer de rejoindre le plus grand nombre d'étudiants et puis les faire participer. En plus, l'analyse des réponses permet à l'enseignant d'ajuster son enseignement aux besoins des étudiants. Que ce soit en personne, en direct, on pose une question puis on ajuste ce qu'on dit ensuite en fonction du besoin de la classe, ou que ce soit à distance par des rétroactions automatiques personnalisées. Par exemple, on peut personnaliser un questionnaire pour faire en sorte que l'étudiant qui répond telle chose reçoit tel commentaire constructif et dirigé vers tel exercice supplémentaire. Ou on fait un quiz, puis à la fin, l'étudiant qui a une note inférieure à tel seuil bien, se fait diriger vers un questionnaire additionnel, disons. Tout ça, encore une fois, ça s'inscrit en droit de ligne avec la conception universelle des apprentissages, parce que chaque étudiant va y trouver son compte puis va recevoir quelque chose qui répond à son besoin, à lui. Pour créer des quiz ou des sondages auxquels les étudiants vont répondre à leur rythme, si vous utilisez Teams ou les autres outils Microsoft 365, Forms permet de créer des questionnaires ou des sondages de façon intégrée. Évidemment, Moodle offre aussi ces options-là et permet des formats de questions encore plus variés. Si vous n'êtes pas utilisateur de Moodle, mais vous voulez créer des questionnaires formatifs ou sommatifs, NetQuiz Web Plus est un outil qui va vous intéresser. C'est gratuit et ça a été créé spécialement pour les enseignants du collégial par le CCDMD, c'est-à-dire le Centre collégial de développement de matériel didactique. C'est un organisme partenaire de Profweb. Pour utiliser NetQuiz Web Plus, vous devez vous créer un compte, mais votre demande va être acceptée automatiquement si vous êtes enseignant au collégial, puis ça va être sans frais. NetQuiz Web Plus permet de créer des questionnaires autocorrigés avec 14 types de questions différentes. Pour soumettre aux étudiants une série de questions à choix multiples de façon très ludique, Quizizz est une option bien conçue et simple d'utilisation. C'est un logiciel propriétaire, mais il y a une version gratuite. Pendant une visioconférence, donc une communication synchrone en ligne, Zoom a aussi un outil de sondage intégré. Par contre, pour pouvoir y avoir accès, il faut avoir une licence payante de Zoom. Ça ne fonctionne pas avec la licence gratuite. Sinon, Kahoot est un incontournable en matière de quiz fait en groupe de façon synchrone. C'est très simple d'utilisation, puis c'est très ludique aussi. C'est disponible en version gratuite également. Les étudiants connaissent déjà Kahoot pour la plupart, mais c'est toujours, en fait, très souvent un succès. Sur profweb.ca, vous allez trouver des publications à propos de chacun des outils que je viens de mentionner, et plusieurs autres aussi.